Adieu. Et bon matin mes petits Pikachu, et c'est de Miss Attic, et j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes dans la forme, et j'espère surtout que vous êtes prêts à se combattre ce château numéro 5, parce que c'est pas vrai qu'il aura raison sur nous deux épisodes de suite, parole de Miss Pikachu Attic. Donc, je suis dans la motivation aujourd'hui pour compléter ce château, sans mourir cette fois. Bon, on va peut-être mourir une fois ou deux, mais pas plus. Pas de game over, on va tuer château et on va avancer dans le jeu parce que c'est pas vrai qu'il aura raison de nous. Voilà, on est plus fort que lui et nous allons lui prouver. Donc j'espère vraiment que vous allez bien les amis et que vous êtes contents que l'été arrive. Bon, je sais que je dis ça, on est en plein mai, mais nous au Québec, ça commence tout juste à arriver parce qu'on est un petit peu au ralenti. Donc, il commence à faire plus beau, on profite de l'extérieur. Mika, mon petit chien, est en train de découvrir qu'est-ce que l'extérieur. Il a découvert qu'il y avait d'autres êtres humains qui existaient et il aime pas ça, mais c'est pas grave, il est tout mignon. Et Charlie, lui, il veut seulement manger. Donc, il mange tout ce qu'il trouve dehors. Et ça, c'est cool. Mais c'est cool, oui et non. Donc là, j'ai eu ma leçon la dernière fois, je vais pas là. J'irai pas là. Ok. Ça, on a récup ça, on va être tranquillou. Wow, ok. Allez, on prend ça cool, on va attendre que ça passe. Ok. Ah purée. Comment perdre son temps? Déjà? Je sais pas, ça me donnait quoi de faire ça? Ah oui, ça me permettait d'avoir la vie. Bon, j'espère que toi, tu vas pas nous tuer, hein. Et de 1. Qu'est-ce qu'il fait ce monstre? J'ai oublié. Ah, les murs rapetissent. Ah, mais ça va encore, c'est encore gérable. On va attendre qu'il approche et on va faire ça comme ça. Et de 2, les murs vont encore se rapprocher. Mais ça va, c'est très gérable et il va de plus en plus vite. Et de 3. Ouais. Et je vous jure, je me suis pas pratiquée. C'est seulement la motivation. Parce que je sais que vous avez su que j'étais déçue du dernier épisode de m'avoir fail. Alors je suis revenue en force parce que j'ai beaucoup d'orgueil. Et voilà, château numéro 5 battu. C'est motivant pour la suite. Nous avons sauvé notre petit œuvre de Yoshi. Oups. Bah tu vois, même Mario se fail, il n'arrive pas à le faire exploser. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oups. Oups, Mario il est brûlé. Mario il va mourir. On s'en va dans l'île chocolat. C'est cool ça, ça donne faim. Moi je veux du chocolat. Moi j'aime ça le chocolat. Bon. Donc sans plus tarder, nous allons... continuez vers le monde numéro 6. Donc, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est censé être des pipettes de chocolat. Voilà, c'est pas des montagnes. C'est des pipettes de chocolat. Oh, des dinosaures. Oh oui, ils sont mignons. En fait, les petits sont mignons. Les parents sont moins mignons. Mais ils crachent du feu, par contre. Ils sont pas très gentils. Eux, ça va. Eux, ils sont sympas. Mais les petits crachent du feu. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, il va s'arrêter. Il me fait mentir. Oh, regardez. Il crache du feu et là il brûle les fesses et ça fait mal. Ça fait très très mal se faire brûler les fesses. J'ai déjà essayé, mais c'était pas des dragons. Je vous dis pas c'était quoi. Non, je vais pas vous le dire. Arrêtez d'assister. Oh mais ils sont trop mignons, ils sautent partout. Waouh. Toi tu brûles. Est-ce que je peux aller là? Non, je peux pas. D'accord. Là je peux. Ouais. En fait, je crois que j'ai même pas le choix. Ouais. C'était super passionnant. Ah ça, on doit l'utiliser pour. Ça, mais pas le rater. Pas le rater, j'ai dit. Eh, j'avais dit que je réussissais seulement le château. Maintenant, j'ai le droit de me fail. Vous n'avez pas le droit de me juger. Voilà. Je fais ce que je veux maintenant que j'ai réussi le château. Comme une professionnelle, j'ai le droit de mourir et d'être nulle. Bonjour les champignons. Au revoir les champignons. Bon, ça, on va le faire vite, là. Pas de temps à perdre. Oh, merde, faut pas le faire trop vite non plus parce que eux, ils vont nous tuer. Tong, 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 tong. Brûle. Voilà, je suis trop méchante, je tue des pépés dinosaures. Appelez la SPCA, Demis, elle est trop méchante. Ça, vous le saviez, n'est-ce pas? Bien sûr que vous le saviez. Non? Pam, 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 pam. Bon, on va essayer de pas se faire. Au pire, on le prend pas. C'est bon, là. Bon, on va faire ça.
Ouf, on a eu de la chance. Un petit millimètre de plus et je crois qu'il nous chopait. Mais on s'en est bien sorti. Donnez-moi ça. Je veux ça. Ouais. Bon, ils me l'ont pas donné pour rien. Hein. Là, je sautais. Ouais, y a rien d'autre. Un Yoshi. Ouais, Yoshi. Toup, 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 toup. C'est Yoshi Laura. Reviens là, Yoshi Laura. Arrête de te sauver. Pam 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 pam. T'étais chanceuse, la plante, qu'on se laisse en vie. Yoshi. Ah purée. Mais reviens là, débile. Ah, c'est bien Laura, hein. Sauver partout, courir partout comme une poule, pas de tête. Oui. D'accord. Comment je faisais? Pourquoi il me donne un Yoshi si ça me tue? Parce qu'avec un Yoshi, je suis plus lourd. Une chance qu'on l'a pris, la sauvegarde, finalement. Moi qui voulais ne pas la prendre. Comment on fait? C'est... Ah! On n'a pas réussi à faire comme tout à l'heure, on n'est pas doué. Petite musique stressante. Oh, il a failli me brûler la moustache, celui-là. Donc, Yoshi, il est un petit peu traite, au fond. Ah, c'est ça qu'il nous fallait, je l'ai pas vu tout à l'heure. Ah, là, on peut garder Yoshi, en fait. Dans le fond, c'est de ma faute. Excuse-moi, Yoshi, j'étais accusée pour rien. Je t'ai dit que t'étais traite et lourd. T'es un lourd traite. Donc ça, on va pouvoir planer. Comme ça. Ouais. Planer jusqu'à la fin, voilà. C'était juste ça qui nous manquait. Mais tout à l'heure, il y avait tout plein de dinosaures partout et je l'ai raté. Oui, laissez-moi me trouver des fausses excuses, d'accord? Ma maman m'a dit que je peux. Et quand ma maman le dit, c'est que c'est vrai. La maison fantôme. Ça, je crois que c'est la deuxième maison fantôme qui a pas de sortie secrète. Je crois. Par contre, je pourrais pas vous l'assurer à 100%. Et ça me fait un peu peur avec le plancher qui me suit comme ça avec des trous dedans. Ah, je croyais être bonne. Mais non, j'étais pas assez haute. Allez, on va prendre notre temps. Ça serait dommage de mourir. Oh! Flamme bleue, est-ce que c'est la flamme de la vie? Comme le monstre la dernière fois qui voulait qu'on prenne une vie afin de mieux nous tuer. Bon, on va essayer de pas se faire choper par la flamme de la vie, ça serait dommage. Et là, on va prendre la plume. Comme ça. Aïe! Bobo, vous êtes méchant. Ah! Méchant fantôme. Ok, on est dans la porte. Ah non, ça c'est des blocs traites, les amis. Vous voyez? Donc on doit s'en servir. Donc oui, je crois qu'il y a une porte secrète. Attendez, je crois que je me souviens. Allez, venez. En fait, on doit aller en haut là avec eux. Quasiment pas stressante la musique. Ah, ok. À moins que ça soit la vraie sortie. Ou c'est la sortie secrète, je sais plus. J'en ai aucune idée. Je crois que je vais avoir besoin de vous dans les commentaires, les gens. Pour les connaisseurs du jeu, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a une sortie secrète, là? Ou c'est la seule et unique sortie? Bref, c'est pas grave, on va continuer. On s'attardera sur ce détail une autre fois. Donc on est toujours dans le monde des dinosaures, donc il faut croire que les dinosaures aiment le chocolat. Palam pam. Oh, attendez! Oh non, c'est pas le niveau... Ah oui, c'est ce niveau. Oh, il est dur, ce niveau. En fait, il est pas dur, mais il... Attendez, on doit attendre un certain temps avant de rentrer dans le tuyau. Je crois. Donc là, je rentre à 4, je vais avoir un truc différent. Ou c'est à la fin. Non, je crois que c'était pas là. Je crois que c'est au bout de ça. Dans le fond, en fonction de la seconde à laquelle que tu rentres dans le tuyau... La suite, la troisième partie du niveau change. Donc, cette partie-là, on l'a toujours. Adieu, Laura. On a toujours la partie d'avant, mais c'est la partie d'après qui change. Il y a une partie... Oups, bon, je suis rentrée direct. A50. Il y a une partie qui a la sortie secrète, qui est celle-là, je crois. Et l'autre partie qui est la vraie fin. Donc, oh, ben, on a eu de la chance. On est tombé direct sur la sortie secrète. Et quand on va le refaire, on va essayer de rentrer pas A50. On va rentrer vers A43 et 44. Afin d'avoir la vraie suite. Donc ça, ça nous fait mener à un tuyau à laquelle nous allons pas aller. On va aller ici. Donc on va le refaire. Donc oui, vous allez dire, ah mais c'est trop nul ta vie, tu refais toujours les mêmes niveaux. Et je vais vous dire, et alors? Moi j'aime ça. On va prendre Yoshi, il est jamais trop notre ami. Et là, on va retourner là. Et on va voir quelle partie on va avoir. Donc les parties sont
plus simple, plus difficile. Je crois que celle de la partie secrète est censée être la plus difficile. On a eu de la chance. Sincèrement, je vais le dire, on a eu de la chance de pas se faire choper, pardon. Parce que je suis allée un petit peu en mode YOLO swag. Ok, ouf, on a eu de la chance aussi de... Ah, j'ai pas regardé le temps. Merde, on est rentré 59. Bon, bah on a eu la même fin. Je suis désolée, perte de temps. C'est pas grave. Ça prouve juste qu'on est doué, ouais. On arrive à avoir la sortie secrète. Mais elle est simple alors, la sortie secrète. Il me semble qu'on l'a souvent, mais il était 59 quand je suis rentrée. Je vais attendre les 43. Ouais, j'avais dit 43 tout à l'heure, on va attendre les 43. Là, faut pas que je l'oublie par contre. Rappelez-le moi dans les commentaires. Écrivez des miss, oublie pas! Bon, bien sûr, vous devinerez les gens que ça sert à rien de l'écrire parce que c'est tourné d'avance. Mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire quand même, je vais pas vous juger, je vous promets. Moi, je juge pas les gens. Bon, on va essayer de continuer d'assurer comme les autres fois. Toum! Ah, on a assuré même plus. Allez! On va attendre. On va danser en attendant. Danser. Wouhou. Ouais, on a trop pratiqué notre chorégraphie longtemps avec Yoshi. Oups, j'avais dit 43. J'étais trop à fond dans ma danse. 41. Bon, on voit déjà que ça change. Ah, ça, c'est pas trop mal comme partie. Surtout qu'on a Yoshi, ça va bien se faire. Il les écrase tous. Pouf. 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 Oups. Je sais pas ce que je croyais. Ouais! Oh, c'est pas la fin. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et voilà, on est trop doués. Ouais! Pam, 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 pam. Oh, yeah! On peut faire la suite maintenant. Et un autre niveau avec sortie secrète. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Oh, cette musique ne m'inspire jamais rien de bon. J'aime bien, mais elle m'inspire rien de bon. Parce que c'est souvent des niveaux dans lesquels je galère un petit peu. Et là, je me souviens plus de la sortie secrète. Mais pas du tout. Il faut manger la tortue bleue. Parce que quand on mange la tortue bleue, on peut voler avec Yoshi. Parce que chaque tortue, je crois, je me souviens plus si je vous l'avais dit, mais chaque tortue a sa spécificité. Et là, j'ai perdu Laura, mais c'est pas grave. Donc, les bleus nous permettent de voler. Les rouges crachent du feu. Et les autres, les vertes font rien. Voilà, je crois que c'est dans le tuyau là. Ou dans l'autre d'après. Mais faut aller dans un tuyau. Je crois qu'il se passe un truc là. Il se passe rien en fait. Ça donne que de la vie. Ouais, on tourne en rond pour récupérer derrière l'argent. Ouais, c'est trop facile en fait la vie dans Mario. Il suffit de tourner en rond et on devient riche. Donc c'était pas là la sortie secrète. Là, ça me fout mal. Pam, 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 pam. Et j'aime pas les petites bêtes noires, là. On dirait les mouches. Moi, j'aime pas tout ce qui est petit, qui bouge. J'aime pas les bestioles. Pam, 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 pam. Oh, attendez. 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 Oui, je sais, ça fait deux fois que je le dis. Toi, tu dégages. Elle va revenir. Je sais, elle va revenir parce que c'est une salope. Pam, 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 pam. Je m'en souviens. Ça veut dire, oui, mais Demi, t'as passé droit le niveau. Et ben voilà la sortie secrète. Elle est derrière le niveau. Waouh, comment t'as su ça? J'ai suivi les flèches. Et là, j'ai fait que 3. Oups. J'étais un petit peu trop à fond que j'ai même pas pensé à sauter et essayer de faire un meilleur score. C'est pas grave. C'est pas comme si que ça changeait quelque chose étant donné qu'on n'enchaîne pas le jeu. Le fait d'avoir... 11, 99 ou 3 vies, ça change pas grand chose. Sauf au dernier épisode où ce qu'on est mort, j'en conviens. Allez, on le fait en volant. Quoique c'était peut-être pas une bonne idée. Je vole pas très bien. Pam 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 pam. Et il y a un tuyau pour nous arrêter. Pam 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 pam. On retournera pas dans le tuyau parce que c'est une perte de temps. Bon, certes, on gagne de l'argent. Mais c'est une perte de temps. Bon, j'ai même pas réussi à avoir la sauvegarde. Bon. Bon, 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 bon. Là, on le fait pour de vrai. Ah, mais quand même, on aurait peut-être dû aller dans le tuyau. On aurait économisé quand même pas mal de temps, en fait. Parce que ça, on l'a pas eu tout à l'heure. On serait... Ah, ouais. Bon, mais le tuyau, il a l'air de servir à rien, mais il fait quand même économiser pas mal de temps. Mais bon, on n'est pas mort, donc c'est pas dramatique non plus. Ça va nous permettre de voir le niveau en entier.
Tam 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 tam. Donc nous allons le faire pour vrai. Ce qui veut dire prendre ça ici et monter. Pam 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 pam. Ouais, on a eu le maximum. Pam 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 pam. Oh yeah! Bonus game. Oh mais là, ah quand avec une cape ils sont plus durs. Parce qu'on, il y a comme une demi seconde pendant laquelle on plane et ça nous ralentit. Déjà qu'on se fail quand même considérablement tout le temps, ben là on s'est complètement fail. D'habitude on en a 3 ou 4. Zéro. On est trop nul. Et là, ben, ça nous permet de tourner en rond. C'est super pratique ce truc. Donc on n'a pas le choix, on doit faire le château. On va s'arrêter à ce château parce que j'ai appris de ne jamais faire les châteaux finales en fin d'épisode. J'ai appris ça le dernier épisode. Ah ouais, je l'aime ce château. Avec les crayons, j'ai toujours cru que ça c'était des crayons. Ça ressemble à des crayons qu'on taille à l'école. Bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Je l'aimais ou je l'aimais pas? Je me souviens plus, je crois que je... En fait, je sais plus si je l'aimais. J'aime pas le feu comme ça, là, aléatoire. Là. En plus, tu comprends jamais d'où il vient, parce que quand t'arrives au bout, ben, t'as pas de statuette de dragon qui te lance du feu, t'as rien. Donc c'est un petit peu bizarre. Pam, pam. Donc ça, je crois que si j'attrape les bouts, je me pique. Donc c'est pour ça que je fais gaffe. Oh, il y a un château avec un milieu, ça c'est rare. Ah! Ok. On a eu un petit peu de chance là-dessus, j'en conçois. Mais c'est pas grave. Oh, shit. Je les avais pas vus, elles. Ouais, c'était pas brillant, mon truc. J'ai voulu essayer de rattraper ma plume, mais... Non, fallait la laisser tomber. Bon, bah il sert à ça, le milieu. Il est très pratique, en fait. On va essayer d'y aller vite. Allez, on court. Il y en a foutre. Waouh, ça a fonctionné. Waouh. D'accord, la tête que je tire en ce moment, j'y croyais pas trop, on ferait dire. Waouh, j'assure. Oh mon dieu, le miss, elle assure trop. Ah, ça, tu y vas. Ok, vous y allez, vous y allez, c'est ça. Ok. Ça, je dois la faire tomber avant. Vas-y, tombe. D'accord. Ok, comme ça. Lui, il va pas tomber, il y a des blocs. Oh, toi, j'avais pas vu, bébé. Et je parle de bébé bloc, hein, pas bébé dans le sens c'est mon bébé, parce qu'il n'y a que mon chien qui est mon bébé, voilà. Voilà! Bon, cela on a l'habitude. Ah merde, c'est sûr que quand tu te mets en boule et que la flamme t'arrive direct dessus, tu peux pas vraiment l'esquiver. Ok, on est au moins sur la plateforme, donc pas de risque qu'on tombe dans le vide. Pam pam pam, pam pam, et voilà! Il était pas trop mal, finalement je crois que c'est un château que j'aimais bien. En fait j'aimais bien la deuxième partie parce que justement on peut la faire rapidement et avoir l'air trop cool alors qu'au final c'est pas si compliqué. Et voilà. Ah, je croyais qu'on pouvait accéder directement à l'autre château, mais non, on a encore quelques petits niveaux à faire. Donc, continue and save les amis, et nous allons nous arrêter là parce que c'est le meilleur moment pour s'arrêter. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme à votre habitude, à laisser un bébé pouce bleu et un bébé commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Je vous fais des bisous.